Avant de commencer cette vidéo, c'est pour te dire que mon dernier clip est en description, frère. Du coup, clique dans la description seulement, frère. Dernier clip vidéo. Wesh les gars, bio quoi, bande d'imbéciles confirmés sous couverture. Ça y fait nomatique. C'est la coupe longue, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo de dégustation, les gars. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Les gars, ça va vraiment bien grailler aujourd'hui. Ça vaut quoi, nous avons... Ah ouais, putain, mais on va aller ça vraiment n'importe comment, frère. Nous avons ça, les gars, les Chings Finger. Donc en gros, c'est du poulet. Ah, c'est bon, hein. Putain, ce sont mieux que... Ce sont plus bons que la dernière fois, frère. Les Chicks Finger, les gars. Ça, ça m'a coûté 3,50, les gars. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,50 pour 6. Putain, c'est quand même cher, hein. Non, après, ça va. 3,50, ça va encore, quoi. Nous avons des frites, les gars. Putain, comment il a emballé ça? Ça me fait rire, frère. Voilà, les gars. Nous avons des frites. Nous avons... Ah ouais, putain, il est quand même grand, hein. Le sandwich, les gars. Le sandwich, c'est quoi? C'est un sandwich au kefta, les gars. Donc, j'avais pris sauce andalouse. Ça sent bon, en tout cas, vite. Hein. J'avais pris sauce andalouse, salade. Enfin, en gros, viande de kefta. Maïs. En gros, il est comme ça, le sandwich. Hein. En gros, c'est comme ça, à l'intérieur. Et voilà, quoi. J'ai pris de la sauce ketchup ici, tu vois. Qui va être chez moi, frère. J'espère que les frites, elles sont salées. Hein. On va goûter ça. Non, elles sont pas salées, frère. Pourquoi ils oublient toujours de mettre du sel quand je commande, frère? Je te promets, quand je commande, ils mettent pas de sel, frère. Mais sinon, les frites, ça va, elles sont bonnes. C'est des frites surgelées, hein. Mais, ça fait le taf. J'arrive, je vais chercher du sel, putain. C'est bon, les gars, j'ai salé mes frites. Ça va grailler. Avec le sel, c'est mieux, frère, hein. J'ai envie de goûter le sandwich, les gars. On va goûter. Allez, c'est parti. Là, tu vois bien la kefta. Tu vois bien la salade. La kefta, elle a pas... Je sais pas si c'est parce que j'ai pas eu assez de kefta, mais on dirait qu'elle a pas trop de goût, hein. Ouais. J'ai déjà mangé mieux comme kefta, tu vois. Elle est bonne, mais j'ai déjà mangé mieux, quoi. Le maïs qui rajoute un petit côté sucré, là. Putain, patate. On va goûter les Chicks Finger, tu vois. Je vais vous montrer. Hop, voilà, c'est comme ça, tu vois. Comme ça, quoi. Ouais, ça, c'est bon. Hein. C'est bon, mais je crois que je vais aller réchauffer ça, les gars. J'arrive. Ok les gars, je suis de retour, j'ai fait chauffer les frites et tout les gars. Du coup c'est bon, je vais retaper encore dans les frites là. Ouais, quand c'est chaud c'est meilleur, putain. Est-ce que c'est bien? Elles sont toujours croquantes mais elles sont froides, tu vois. Elles étaient froides, quoi. Là maintenant, j'ai chauffé ça, c'est bon, tu vois. On va retaper le sandwich là. J'ai déjà mangé mieux comme kefta, tu vois, mais... Ça va, elle est bonne. Enfin, le sandwich, en gros, il est bon, tu vois. Mais, il y a mieux. Vous avez vu comment c'est bien garni, quand même? Non, c'est garni. J'ai tapé bien dans la viande, là. Non, ça, c'est bon. C'est bon. Je m'attendais à plus de saveur niveau goût d'un kefta, tu vois. Mais bon. C'est bon. Je sais pas pourquoi, les gars, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les frites, frère. Là, depuis tantôt, je suis en train d'entamer les frites, tu vois. Alors que de base, on s'en bat les couilles, tu vois. J'ai retapé des Chicks Finger, là. Mais c'est une bonne odeur, hein. En fait, toi, l'odeur, tu vois, quand tu croques sur le bail, tu te dis que ça va avoir un autre goût, t'as capté, en sentant l'odeur, tu vois. J'ai rajouté de la sauce ketchup là dans mon bail. Pour grailler avec les Chicks Finger. Ah les gars, ça, je vais pas en prendre tout le temps, tu vois. C'est bon, mais
Je m'attendais à mieux quand même niveau goût, t'as capté. Mais ça va. Les gars, on va retaper dans le sandwich là. Le maïs, ça, ça rajoute quelque chose, vraiment. Moi, j'aime bien le maïs, moi. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Franchement, c'est bon, hein. Je tape encore des frites. Je reprends un chicks finger. Mais après, ouais. En fait, j'ai l'impression que plus ça refroidit, et plus c'est moins bon, frère. Mais tu vois, vraiment, quand je te dis moins bon, c'est vraiment moins bon. T'as capté? Vraiment, j'ai l'impression de manger un autre truc, tu vois. Ouais, c'est bon, mais ouais. Si je devrais donner une note là maintenant. En fait, les gars, je sais pas. J'ai plusieurs saveurs dans la bouche, t'as capté? Attends, je vais regoûter, frère. Mais franchement, ouais, j'ai plusieurs saveurs dans la bouche à fond. Ah ouais, c'est bof, c'est bof. Franchement. Allez, 5 sur 10, tu vois. Ouais. Ça, les gars, 5 sur 10, frère. Le sandwich, franchement, je vais retaper un croc pour voir combien je pourrais lui donner, tu vois. La viande de kefta, elle est bonne, mais... avec un peu plus de saveur, ça serait bien, tu vois. Mais sinon, ça va, la sauce andalouse, elle est bonne, tu la sens bien. Non, franchement, je mettrais un bon pour le sandwich là. Allez, 7 sur 10. Franchement, ouais. 7 sur 10, tu vois, ça va, tu vois. C'est pas. C'est normal, tu vois. 7 sur 10, quoi. Mais au revoir. Ah, les gars, je sais pas. En fait, j'hésite entre 6,5 sur 10 et 7 sur 10, t'as capté. J'hésite. À mon avis, je vais retaper un croc pour en être sûr, tu vois. Ouais, 6,5 sur 10. Hein. C'est bon, mais voilà quoi. Bon, enfin. Bon, attendez, on va noter les frites, les gars. Je vais regoûter une dernière fois les frites. Ouais. Ouais, le fruit, c'est des frites, hein. Je vais mettre un bon. Ouais. 5. Des frites, tu as capté. Ce qui m'a déçu, c'est quand même ça, tu vois. Les chicks fingers, là. Ça m'a quand même, ouais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu qui peut être le ciel, vous abonner à la chaîne pour savoir quand je sors la prochaine vidéo, tout en vous joignant à la coupe longue. Bye bot d'imbécile.